Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui, à la fois, est assez intime pour moi et en même temps, je pense qu'il est assez universel. Et en fait, pour mieux vous raconter ce sujet, j'avais envie de vous raconter plusieurs histoires qui se recoupent. En fait, j'avais envie de vous parler de Web3, d'Internet et de comment ça a influencé ma vie, comment ma vie a influencé l'Internet en retour. Et aussi, j'ai envie de vous parler de changements, de craintes, d'avenir. Voilà, si vous voulez me suivre, c'est maintenant. Quand vous regardez cette vidéo, en fait, je ne sais pas si vous me connaissez, parce que d'un côté, l'audience de cette chaîne est assez confidentielle, donc la plupart des gens qui regardent ces vidéos me connaissent. Et d'un autre côté, plus de 90% des gens qui regardent la chaîne n'y sont pas abonnés. Pour commencer cette vidéo, un bon point d'entrée, ce serait de raconter l'histoire de cette chaîne. En fait, elle a commencé en 2016 sous la forme d'un site internet que j'ai monté avec un ami à moi qui s'appelait Mathis. Le journal s'appelait Underlined. C'est pas forcément vraiment un journal, c'était un blog. En tout cas, c'était quelque chose d'écrit. Les gens trouvaient ça génial parce qu'en 2016, il y avait WordPress qui devenait hyper fluide, on pouvait mettre des images, des vidéos, c'était super pratique pour l'époque. Et donc quand même, il y a une question qui s'est posée pour moi et qui se pose encore aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai créé Underlined. En 2014, je rejoins un site qui s'appelle unjourunfilm.fr, je rejoins pour écrire des critiques de films. Donc le concept du site est simple, chaque jour il y a un film qui est partagé illégalement aux gens et puis un petit encart pour le streamer. En 2010, c'est la création de Adopi, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Avant Adopi, le téléchargement et le streaming étaient déjà interdits, mais pour la première fois, on se dit, tiens, on va créer un gendarme qui va être dédié vraiment à ça, qui va être chargé de réguler le téléchargement illégal sur Internet. On s'est beaucoup moqué de cette autorité, parce qu'elle n'a jamais été vraiment très efficace, mais en 2010, c'est un message du législateur qui est, il faut arrêter le téléchargement illégal. Après quelques mois, sur unjourunfilm.fr, les créateurs se rendent compte que finalement, le business n'est pas si rentable, que c'est compliqué, qu'il y a des problèmes techniques, c'est-à-dire que les films ne sont disponibles qu'en VF et que finalement, on a du mal à faire venir du monde et du coup, le site n'est pas rentable, tout simplement. Finalement, la chute de unjourunfilm.fr, eh bien, elle est semblable à celle de beaucoup de sites depuis. Les sites comme Watt.cd ou encore Megaupload, qui ont fermé à cause d'un gouvernement américain, mais il y a d'autres sites comme Zone Téléchargement, T-Rexo ou Time to Watch, ou du coup, Un jour un film, qui ferment naturellement parce que le modèle économique est compliqué. Après unjourunfilm.fr, naît unjour.tv, qui est un blog. Moi, ça me va très bien, je continue à écrire. Le créateur, ça lui va très bien parce que finalement, c'est un blog qui fait aussi pas mal de reviews de soirées. Lui, il est invité à des concerts. Moi, j'habite à Bordeaux, j'ai pas de concert, mais j'ai mes critiques. Jusqu'au moment où on revient à cette logique de clic et on me dit « Oui, mais tu comprends, tes chroniques culturelles, finalement, elles ne font pas beaucoup de vues. Elles sont pas très intéressantes pour notre audience. Il faudrait que tu te concentres plutôt sur les top 10. » Sur Internet, il y a plein de compétences qu'on peut développer, de la même façon qu'on peut apprendre à coder ou apprendre à modéliser en 3D. On peut aussi apprendre ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization, aussi connu plus simplement sous le nom de référencement naturel. Le principe du référencement naturel, c'est assez simple. Pour celui qui cherche à le développer, son site doit apparaître en premier sur les moteurs de recherche, donc notamment sur Google. Pour ça, il doit comprendre l'algorithme de comment marche Google, comment pense Google, sachant que Google essaie de réfléchir à comment pensent les gens. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un effet encore plus pervers, qui est que je pense que Google nous apprend à penser via Google. Avant, par exemple, mettons, si je voulais chercher qui était le président en France, j'aurais tapé « Président France 2022 ». Aujourd'hui, je pourrais taper très bien « Qui est le président français ?» Google me ressortirait l'information. C'est quelque chose qui a changé parce que ces algorithmes ont changé et ces algorithmes nous ont permis de repenser notre façon de nous adresser aux moteurs de recherche. Et ensuite, bien sûr, il y a la pub, c'est-à-dire qu'on est maintenant habitué aux pubs où les gens s'adressent à Google en lui posant des questions, ce qui d'ailleurs, dans l'inconscient, je pense, différencie Google des autres moteurs de recherche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, un site qui voudrait donner l'information sur le président français ne chercherait pas forcément à mettre 2022 de points le président français est, mais pourrait tout simplement mettre en titre qui est le président français, puisqu'ils savent que les gens vont chercher qui est le président français. Et en fait, Google, à la manière d'un League of Legends ou d'un autre jeu vidéo, il a sa méta, sa meilleure façon de jouer avec. En 2015-2016, quand je suis sur unjour.tv, petit à petit, on se rend compte que la méta des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, c'est les top 10. C'est-à-dire que les gens aiment voir des top 10. Google, Facebook, YouTube aiment nous montrer les top 10. Et donc, ben, on doit écrire les top 10 pour les gens. Ça n'a pas forcément de sens. Par exemple, moi, je me suis retrouvé à devoir écrire les top 10 de chansons d'un album. Des exemples de méta, j'en ai plein d'autres. Par exemple, on a eu les commentaires « tag un pote qui ». On a eu les horaires de postage bien précis à Instagram quand c'était encore par ordre chronologique. Aujourd'hui, par exemple, on pourrait considérer que la méta de l'Internet, c'est les vidéos verticales ou encore plus généralement les feeds sur YouTube, le fun sur YouTube, la nostalgie sur Instagram et TikTok. Ces méta se créent pour tout un tas de raisons économiques pour au mieux s'adresser aux gens.
En 2016, j'en ai marre de jouer avec la méta et j'ouvre Underline en grande pompe avec mon ami Matisse. Et c'est génial parce que ça marche à peu près comme j'avais imaginé. La première chose que je fais, en même temps que je crée le site, je crée une page Facebook. Les gens sont encore sur Facebook. J'invite mes amis à liker. Je peux inviter mes amis, ils likent. Et les vues sur les articles suivent, c'est-à-dire que mes articles apparaissent dans le fil de l'actualité. Les gens sont contents de les lire. D'ailleurs, c'est cool parce que à mon tour, moi, je peux aller en festival. Moi aussi, j'ai droit au concert gratuit. Je suis accrédité. J'ai des rédacteurs. Je sais même pas gérer des équipes. De la même façon, mes articles sont incompréhensibles, mais les gens lisent quand même et ils comprennent vaguement quelque chose. Donc, c'est tout ce que je recherchais. Même si je fais plein d'erreurs dans la gestion de ce site, je suis content. Je suis content parce que, de un, ça fait plaisir d'être un peu reconnu, d'avoir un auditoire. Et je suis content aussi parce que je me dis que je peux envisager de faire grandir ce blog. Ouais, je vois la courbe et la courbe, c'est un début d'exponentiel dans ma tête. Et sauf qu'un jour, en fait, tout va basculer avec simplement un changement d'algorithme. Pour une raison dont j'ai pas eu connaissance, on apprend que finalement Facebook va se concentrer sur les contenus qui font plaisir. Ça va être des vidéos, ça va être des photos de famille. En tout cas, ça sera plus des news, ça sera plutôt son cercle proche. Ouais. Il y a pas mal d'explications possibles à ça, notamment le fait que l'information, ça renvoie sur des sites externes et que Facebook aime pas qu'on sorte de Facebook. Et d'ailleurs, un peu plus tard, ils vont se remettre à réintroduire un peu les sites. Mais de la même façon que Google utilise une technologie AMP qui permet que Google récupère le site et le convertisse en page Google pour les internautes, Facebook va avoir une technique, Instant Article, où l'article va être comme converti en une page Facebook particulière pour améliorer le temps de chargement et puis surtout pour laisser les utilisateurs dans l'univers Facebook, à la fois pour les garder captifs, à la fois pour garder leurs données aussi. Sur Underline, mon reach, la façon dont les articles parviennent jusqu'aux gens, diminue. Et finalement, c'est aussi la première fois que je me rends compte que Internet a changé. J'avais déjà vu ça, notamment avec l'arrêt annoncé de la technologie Flash, mais là, je me le prends vraiment en pleine tête, parce que je me dis, mince, c'est quelque chose qui ne pourra peut-être plus exister, parce que Internet n'est plus le même. J'essaie de rebondir et Facebook du coup me dit de faire des instant articles, donc j'essaie mais c'est compliqué à coder. De la même façon, ils disent bon ben c'est pas grave, maintenant c'est les chatbots qui vont plaire et faire un chatbot, mais bon c'est compliqué, c'est plus la même façon d'écrire, c'est presque écrit en top 10. De toute façon, après quelques mois, Facebook décide que c'est pas très concluant et ils décident d'annuler. Les entreprises peuvent plus vraiment faire de chatbots sur Messenger, donc même ça tombe à l'eau. Et donc je décide de me concentrer sur cette chaîne YouTube. Et c'est là notamment que je sors ma vidéo sur Stupéflip, qui m'a valu beaucoup d'abonnés, et qui m'a fait croire d'ailleurs en tant que YouTube serait une solution à Facebook. Encore une fois, je me suis dit, mais on a là un début d'exponentiel. Sauf que finalement, au bout de quelques vidéos, je m'aperçois que la mayonnaise prend pas si bien, de un, et de deux, que finalement, c'est plus compliqué de faire une vidéo, ça demande plus de matériel, plus d'investissement, en temps, en argent. Mais bon, je reçois des commentaires encourageants, ou pas d'ailleurs, mais je continue YouTube. Je vois qu'il y a aussi Twitch, il y a aussi TikTok qui se lance. J'essaie ces plateformes, c'est compliqué. C'est des grammaires qu'on n'apprend pas à l'école, et de toute façon, je pense qu'elles n'ont pas vocation à être apprises à l'école, puisque c'est aussi des grammaires qui changent tout le temps. On s'en reste pas de la même façon sur TikTok que sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est pas forcément toujours souhaitable d'uniformiser. Je pense que c'est pas mal d'essayer de faire comme les autres au début pour plaire à l'algorithme et trouver une communauté. Mais je pense aussi que c'est pas mal d'apporter autre chose. Et donc, réinventer aussi une façon de faire des vidéos qui plaisent à la fois à l'algorithme, au public et à moi. Finalement, en écrivant pour Internet et en produisant du contenu pour Internet, en ayant une logique éditoriale pour Internet, petit à petit, en 2016, je me rends compte qu'Internet change et qu'Internet change vite. En parallèle de ça, je me demande aussi, qu'est-ce qu'Internet ? J'ai étudié l'économie d'Internet, le droit d'Internet, les réseaux Internet, et ça fait que j'ai quelques notions qui me permettent de définir ce qu'est Internet, et en fait, ça ne me sert à rien. Techniquement et assez schématiquement, mais en fait, finalement, il n'y a pas besoin d'entrer plus dans les détails. Internet, c'est simplement un réseau de réseaux, un réseau d'ordinateurs qui sont reliés ensemble et qui communiquent ensemble. Alors parfois, ces ordinateurs, c'est des serveurs. Et si on veut faire l'amalgame avec le web, tous ces ordinateurs, tous ces serveurs, ils sont en lien entre eux avec des adresses URL, des www. Et sauf que finalement, on peut que constater le décalage entre Internet qui serait un réseau et moi, Internet qui est ma maison, qui est là où j'ai écrit, qui est là où j'ai grandi aussi. Et longtemps, ça a été tentant pour moi de définir Internet comme une culture. Et aujourd'hui, je le définirais en fait surtout comme un lieu, comme une étendue. Cette notion de lieu, de place, ça permet de faire la synthèse entre le fait qu'Internet soit un réseau, donc finalement on a bien cette idée géographique presque. Et il y a des études aussi qui s'amusent à voir comment transitent les données, par quel réseau passent sur Internet. Et on pourrait même dire que sur cette étendue, finalement, beaucoup de connexions se font vers Facebook, et on pourrait se penser que Facebook est une capitale,
où il y a beaucoup de passages. En fait, ce que j'aime bien dans cette idée de penser Internet comme un lieu, enfin comme un ensemble de lieux, c'est de se rappeler aussi que ben, un lieu, c'est à la fois une idée géographique, mais c'est aussi une idée culturelle. Aussi bien le web que chaque site web individuellement a sa mémoire, sa philosophie, ses coutumes, ses ruines, ses limbes et aussi ses chantiers. Et ça pose la question finalement de qu'est-ce qu'un lieu ? Par exemple, si on prend la place de la République, est-ce que c'est une place bétonnée avec une statue au milieu ou est-ce que c'est un lieu où tous les dimanches, presque, il y a des manifs ? Et d'ailleurs, de la même façon qu'on pourrait dire qu'Internet est un lieu artistique, on pourrait aussi défendre l'idée qu'Internet est un lieu culturel ou encore un lieu politique. Dans l'Union européenne, et pas que, on a un principe qui s'appelle la neutralité du net. On a accès de la même façon à tous les sites Internet. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, on avait Free qui avait voulu ralentir YouTube. Les vidéos YouTube se chargeaient moins vite sur Free parce qu'en fait, l'idée, c'était de faire payer YouTube pour la bande passante qu'ils utilisaient et c'était un bras de fer qui s'est engagé. Mais toujours est-il qu'en fait, c'était illégal. Tout le monde a accès à un même Internet. J'ai le même accès à Internet que mon voisin. Et cette égalité, cette mise à l'horizontale du réseau, eh bien, justement, c'est pas qu'une question d'architecture de réseau. Finalement, je pense que c'est une idée qui a infusé dans le réseau. Cette idée d'égalité, on peut aussi la retrouver dans Wikipédia, dans le subreddit Airplace, hein, si vous vous souvenez, la pixel war, où chacun pouvait placer un pixel toutes les 5 minutes pour tout le monde. Et sur Wikipédia, tout le monde a le même pouvoir d'édition, a priori. Bon, après, bien sûr, il y a des modérateurs, mais dans l'idée, c'est quand même quelque chose d'assez anarchiste. Et d'ailleurs, on pourrait continuer longtemps avec les modalités démocratiques qu'ont entraîné Internet, par exemple avec Twitch Plays Pokémon, où anarchie et démocratie s'affrontaient, ou encore le parti pirate avec sa démocratie fluide. Internet n'est pas qu'un réseau, parce que Internet n'est pas neutre. Internet, c'est aussi une construction, c'est aussi des codes. Vers 2018, je m'aperçois que Internet mute et Underline en fait n'est plus adapté. C'est plus adapté technologiquement parlant, c'est-à-dire j'ai pas d'assez bon serveur pour répondre aux besoins de vitesse d'Internet. C'est pas adapté dans la conception du site, c'est-à-dire que moi j'ai construit un site pour les ordinateurs et aujourd'hui la majorité des gens sont sur téléphone. Et c'est pas adapté non plus au niveau de éditorial où aujourd'hui les gens réclament de la vidéo et moi j'ai plus le temps de faire des vidéos autant que j'avais le temps de faire des articles. Je pense que de toute façon je finirai par le fermer tôt ou tard, les actualités sont plus d'actualité, les liens vers lesquels renvoie le site sont plus en ligne, Internet change et en fait aussi Internet disparaît quelque part. Je pense qu'on assiste à une marée basse Internet, il y a de moins en moins de blogs, il y a de moins en moins de sites de téléchargement par exemple. Underline ne joue plus avec la méta d'Internet, même le nom aujourd'hui fait un peu ringard. Le collectif désincarné n'intéresse plus Internet. Et ça m'interroge aussi parce que je me demande, et demain, qu'est-ce que sera la méta de demain ? Moi j'adore me renseigner sur Internet et donc je pense que de toute façon de l'info est grand public. Maintenant le futur Internet ça serait le Web 3. Et donc dans l'idée, le Web 3, ça serait un web à nouveau décentralisé, un web avec des métavers, donc des réseaux sociaux grandeur nature où des avatars se parleraient entre eux, où on pourrait faire des choses vraiment en virtuel, un peu comme sur Second Life. Ça serait aussi des NFT, des contrats, des blockchains en fait, où on pourrait tracer les objets, savoir qui en est vraiment le propriétaire, qui en était le propriétaire pour combien, où à la fois on est anonyme et à la fois on peut consulter le registre des échanges qui sont passés entre comptes même anonymes. Et donc les NFT qui sont des titres de propriété très particuliers qui s'achètent en Bitcoin ou en Ether et qu'on retrouverait sur les métavers participeraient donc à un nouvel âge d'or d'Internet, un nouvel Internet, en tout cas le Web 3. Et je me demande en fait si le Web 3 existe, moi. Vous aurez peut-être compris, il y a deux tensions à mon sens qui gouvernent Internet. D'un côté, vous l'aurez compris, il y a celle du capitalisme, aussi bien de l'attention que le capital de surveillance, qui font qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche captent nos données pour les vendre. L'intérêt de ces sociétés privées ne sont pas tellement d'apporter de la réflexion, mais plutôt d'apporter de l'émotion, d'apporter quelque chose d'assez immédiat qui capte notre attention et qui nous permet de rester captifs. Et aussi, d'une certaine façon, qu'on développe une addiction à ces réseaux. Finalement, on a une logique très verticale qui est de nous qui allons vers des gros sites. D'ailleurs, je parlais des gros nœuds sur Internet, qui sont des capitales où tout le monde va vers là. Ensuite, deuxième logique, c'est qu'on a supprimé la décentralisation, mais on a gardé encore cette idée de communauté, de collectif. Par exemple, tout le monde peut poster sur YouTube, mais seulement YouTube peut choisir les algorithmes. On ne peut pas, par exemple, personnaliser le mécanisme de suggestion de YouTube. On aurait pu imaginer, par exemple, que ce soit plus participatif, que ce mécanisme de suggestion soit partageable, qu'on puisse l'envoyer, qu'on puisse dire à quelqu'un « Ah, mais tiens, prends mon algorithme de suggestion si tu as le même goût que moi ».
On aurait pu aussi imaginer d'ailleurs que YouTube ne soit à l'inverse qu'un mécanisme de suggestion et qu'après les vidéos puissent être hébergées en dehors de YouTube par exemple, comme le fait Peertube via des fichiers torrent. Et finalement j'entends hein, que le Web3 on retourne à une décentralisation et que les échanges de NFT se font entre internet sans forcément passer par les plateformes, mais dans la réalité c'est faux. Dans la réalité, ok, tous les métaverses ne prennent pas nos données personnelles, mais dans la réalité on a encore des entreprises qui font des métaverses, mais encore des entreprises privées. Dans la réalité, les NFT ils s'échangent encore sur OpenSea, qui est encore une entreprise privée. Du coup, j'ai du mal à voir en quoi il y a un Web3. Pour moi, c'est pas un Web3, c'est un Web 2.5 à la limite. Le Web3, c'est une évolution, c'est pas une révolution. Je parlais de Second Life tout à l'heure, mais en réalité, Minecraft, Roblox, Fortnite, des lieux virtuels où on pouvait croiser les gens et discuter avec eux, ça fait longtemps qu'ils existent. On appelait pas ça Web3 et tout se passait déjà très bien. Et de la même façon, le critère d'immersivité, c'est pas une rupture. Les casques VR existaient avant le Web3. Depuis le premier jour, Internet évolue déjà vers plus d'immersivité. On est passé des émoticônes aux dongers et aujourd'hui, aux emojis. On est passé des gifs au MP4. Le reste, la communauté, les discriminations, la crypto-monnaie, ça existe depuis longtemps. Si on prend en méta le métaverse de Facebook, c'est pas pour moi plus révolutionnaire qu'un Pokémon Go. Et pour moi, la blockchain, c'est pas quelque chose qui a plus révolutionné la structure d'Internet qu'a pu le faire le haut débit, c'est-à-dire la 4G, la fibre, qui ont permis que de remplacer justement ces images par des vidéos qui ont permis de rendre l'Internet mobile. Pour moi, si on voulait vraiment s'intéresser à l'histoire d'Internet, si on voulait vraiment nommer les versions d'Internet, je pense plutôt qu'il faudrait s'intéresser en fait à l'histoire de la publicité d'Internet. J'ai commencé Internet à la fin des années 2000 et il y avait cette idée un peu simple qui était tout est gratuit sur Internet. Vous n'aurez rien à payer parce que soit vous pourrez le pirater, soit sinon ça sera financé par la pub. Et si jamais il n'y a pas assez de revenus, on rajoutera la pub. Et un jour, il y a eu Adblock, il y a eu Google et il y a eu Facebook. Ça a conduit à ce que finalement, un changement de l'économie de la publicité sur Internet. Avant ça, c'était des pop-up et après ça, c'est devenu des données. C'est-à-dire qu'avant, les annonceurs envoyaient leur publicité en espérant que les gens cliquent dessus. Et Google et Facebook ont dit, vous savez, en fait, nous, on sait sur quoi cliquent les gens et on va vous donner l'opportunité de mieux les cibler. Et du coup, c'était les billes de publicité ciblées. Ils ont d'ailleurs aussi dit, vous inquiétez pas pour les adblocks, on sera disponible sur mobile, ça sera plus compliqué d'installer adblocks sur mobile. Et quand bien même les publicités sont pas très intrusives sur nos sites, peut-être que les gens n'ont pas envie d'ajouter adblocks. Et finalement, Google et Facebook se sont pas tant imposés sur le web qu'ils n'ont permis de façonner le web à leur image, de façonner un web qui passe par eux, à travers eux, à tous les niveaux, si bien, du coup, je parlais des algorithmes tout à l'heure et de l'impossibilité de vivre, d'exister pour un site tiers en dehors de ces sites. Je parle aussi de la publicité que maintenant qui conditionne les sites web à passer soit par leur régie publicitaire, soit disparaître. Je pourrais en parler longtemps, mais l'idée à retenir, c'est surtout qu'Internet, pour moi, a vraiment changé quand s'est développé le capitalisme de l'attention et le capitalisme de surveillance. Ce changement d'Internet me fait bizarre parce que je suis né avec l'idée qu'Internet progressait. Je suis né à la fin des années 90 avec l'idée qu'en dehors d'Internet, chaque jour me rapprochait d'un cataclysme écologique ou d'une attaque terroriste. Et chaque jour sur Internet me rapprochait d'un progrès. Et là, aujourd'hui, le temps passant, je me rends compte que chaque jour sur Internet, c'est aussi un jour de destruction. C'est un jour où je m'éloigne de mes jeux Flash, qui n'existent plus, je m'éloigne de TeamSpeak, je m'éloigne des sites qui ont une colonne latérale avec des petites informations en plus. Et je me rapproche de sites qui ont été conçus pour le mobile. Et c'est pas forcément l'Internet que j'aime. Et en disant ça, je me rends compte que je suis exactement comme les fans de crypto. C'est-à-dire qu'en fait, mon problème, c'est que je n'ai plus ma place sur cet Internet. C'est plus l'Internet que je connais. Et les fans de crypto, quand ils achètent des NFT, c'est pour trouver leur place, c'est pour se dire à la fois je me différencie de la masse. Regardez, moi j'ai ce titre unique de propriété sur cet asset, sur cette œuvre d'art. Regardez, moi je fais partie de cette communauté des investisseurs en crypto. Je fais partie de cette communauté des NFT. Aujourd'hui, les forums Reddit de NFT de crypto, ça fait partie des plus actifs des forums Reddit. On a à la fois cette volonté de s'élever au-dessus de la masse pour rejoindre une communauté bien à part. Et j'ai pas envie d'y appartenir à cette communauté. C'est peut-être par désintérêt par rapport à cet emballement médiatique, c'est peut-être par dégoût de la fanbase, par conscience écologique, par goût esthétique, ou simplement par peur du changement aussi. Et ça se trouve, je vais finir comme les vieux qui disaient au début « Pourquoi tu t'inscris sur Facebook alors que tu pourrais voir tes amis en vrai ? Nanana, le virtuel c'est nul. » Et qu'on retrouve aujourd'hui à poster leur mème de boomer et à partager leur contenu conspirationniste. Et ce qui me fait peur aussi, c'est que du coup, un changement d'Internet, c'est une destruction pour moi d'Internet. Et de la même façon que les fans de NFT, ils se disent « Ah oui, mais j'ai mon petit titre de propriété, c'est bien au chaud, c'est moi, c'est bien au chaud dans ma blockchain, dans mon wallet. » Mais moi, j'aimerais bien me dire « ce jeu Flash, il est bien au chaud dans mon disque dur, mais il n'existe plus. » J'aimerais bien me dire « Ah là là, je vais pouvoir jouer à sport en multi jusqu'au bout, mais les serveurs, ils ferment. »
peut-être aussi que je me fais tout un monde de choses qui n'existent pas. Peut-être que d'ailleurs le Web3 n'est pas une révolution. Peut-être que les jeunes ils s'en foutent des métavers. Peut-être qu'en fait ce qui les intéresse c'est Fortnite, c'est Minecraft, c'est pas le métavers en lui-même. De la même façon, peut-être qu'à chaque fois qu'on entend parler du métavers, c'est pour dire qu'une marque s'est censée dessus, mais peut-être qu'il y a. Il n'y aura personne pour les acheter d'un autre côté. Peut-être que les marques, elles cherchent à nous faire croire que c'est un vrai truc, le métavers, parce qu'elles ont investi de l'argent dedans et qu'elles ont intérêt à ce que ça en soit. Et quand bien même le Web3, je me demande si finalement ce que j'aime dans Internet, c'est pas justement ce mouvement, en fait. Peut-être que depuis le début, c'était ça qui m'intéressait, et peut-être que c'est encore ça qui pourrait me faire vibrer toujours au fond. De la même façon que philosophiquement, on peut se demander si le bateau de Thésée, c'est encore le bateau de Thésée, une fois qu'on a remplacé un à un toutes ces planches de bois, tous ces mâts. Eh bien, je peux me demander si le web, c'est encore le web que j'aime une fois qu'on a remplacé un par un tous ces sites web. En l'occurrence, ma maison brûle et c'est même pas que je regarde ailleurs, c'est mon internet brûle et je ferme mon blog. Et je pense que la vérité, elle est là. Ma maison brûle et je dois apprécier les cendres et les braises. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que tant qu'il y aura de la vie, tant qu'il y aura de la passion sur ce réseau, tant qu'il y aura de l'animation, eh bien, moi je serai content. Peut-être que je vais retrouver une forme de joie. Enfin, j'espère. Enfin, voilà. Ma maison brûle et je dois apprendre à danser dans les flammes. Je sais pas si le sujet d'Internet vous intéresse, en tout cas moi oui. Je sais pas si j'étais clair non plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'avez trouvé pas clair ou si vous êtes pas d'accord, parce que de toute façon, ce n'est jamais qu'un récit subjectif et du coup, je serais curieux d'avoir le vôtre. On se retrouve pour une autre vidéo ou pas. Peut-être qu'on se retrouvera plutôt sur TikTok. À bientôt, peut-être.